Voilà, accompagnons nos enfants qui veulent chanter. Des micros. Hein. Élevons Jésus car il est bon, oh, élevons Jésus car il est bon. Élevons Jésus car il est bon, oh, élevons Jésus car il est bon. Élevons Jésus, aujourd'hui est intitulé « Vie dans ton sang ». Vie dans ton sang. Ça, c'est notre thème. Nous avons tiré ce thème dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 14. Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 14. Je crois que nous allons continuer avec ce thème, les dimanche prochain, parce que c'est vraiment un thème très, très, très profond. Nous allons continuer avec ça le dimanche prochain. Aujourd'hui, j'ai voulu juste donner l'essentiel, mais je crois que pour avoir l'essentiel, il faut faire la synthèse. Or, la synthèse, ça va sortir comme tout le message. Mais Dieu nous fera grâce pour que nous puissions continuer avec le même thème les dimanches prochains. Vie dans ton sang. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 14. Nous allons inviter notre sœur Ornella pour la lecture. Je crois que nous avons tous dans ton sang. Voilà le thème de notre prédication. Vie dans ton sang. Ézéchiel chapitre 16. Versets 1 à 14. Bonjour Église de Dieu. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 14. Je lis la parole au Seigneur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem
ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Éthénienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000 000, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et des chaussures de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom, tu as prodigué. Et ta renommée se répandit. Ah, pardon. Verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'ai ornée, dit le Seigneur l'Éternel. Merci. Amen. Que Dieu soit loué. Vie dans ton sang, c'est le thème de notre message. L'endroit où il était n'est plus un endroit favorable. Il faut que le bébé soit écarté de là. C'est pourquoi vous voyez les sages-femmes récupérer immédiatement le bébé et commence déjà à appliquer les soins sur le bébé. Parce que l'endroit où le bébé était venu n'est plus un endroit propice, favorable pour le bébé. Il faut que le bébé soit écarté de là. Alléluia. Alléluia. Mais Jérusalem n'a pas été écarté du sang, n'a pas été écarté de l'eau. Il était là avec le sang, il était là avec l'eau. Et le sang bien-aimé ici représente tout millier inapproprié pour un bon développement. Mais Dieu dira à Jérusalem, bien qu'il était dans un millier inapproprié pour le développement, Christ de te développer. Mais je te dis, vis dans ton sang. Alléluia. Dieu pour ces bébés. Dans un endroit inapproprié, mais Dieu lui dira, vis dans ton sang. Le sang ici veut dire encore toute circonstance de la vie non voulue dans laquelle on s'est retrouvé. Circonstance de la vie non voulue, mais on se retrouve là. Bien-aimé, Charles avait péché. Charles, et quelles sont les difficultés, vous vivrez. Amen. Alléluia. Ne regardez pas ce que vous êtes en train de connaître aujourd'hui. Mais Dieu vous dit, vis dans ton sang. Tu dois vivre. Dans la maladie, tu vivras. Dans la maladie, tu vivras. Dans les blocages, tu vivras. Dans les difficultés, tu vivras. Amen. Même si tu es ici, d'une famille maudite, comme à Jérusalem, Dieu te dit aussi, vis dans ton sang.
dans ce milieu inapproprié, dans cette famille maudite, mais toi tu vivras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe, bien-aimé, ta situation présente. Mais je te dis, Dieu te dit, vis dans ton sang. Vis dans cette situation présente que tu es en train de connaître. Dans cette situation difficile que tu es en train de connaître, Dieu te dit, vis dans ton sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, vous savez qu'un seul mot de la part de Dieu suffit pour nous. Amen. Un seul mot. Regarde un peu ta situation. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne te permet pas d'aller de l'avant? Mais tu as le mot de Dieu aujourd'hui. Pour commencer l'année 2014, Dieu te dit, vis dans ton sang. Amen. Dans les problèmes que tu as, tu dois vivre. Amen. Dans les difficultés que tu as, tu dois vivre. Dans les combats que tu es en train de connaître, tu dois vivre. Bien-aimé, je disais que quand vous avez le mot de Dieu, ça suffit. Parce que Dieu est celui qui dit un mot et la chose arrive. Comme Dieu avait dit à Jérusalem, vis dans ton sang, il a permis que cet enfant puisse vivre malgré les infections, malgré les cordons qui n'étaient pas coupés, malgré le froid, malgré le sang, malgré l'eau. Mais Dieu a dit, vis dans ton sang. Donc ces garçons devaient vivre. Amen. Dieu te dit, vis dans ton sang. Dans ta maladie, tu vivras. Amen. Dans tes problèmes, tu vivras. Tu réussiras même parce que tu as le mot de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jérusalem, vis dans ton sang. Mais comment est-ce que Jérusalem a reçu ce message? C'était par le canal d'un prophète. Au début de cette année, je suis un prophète pour toi. Amen. Je te dis que tu dois vivre dans ton sang. Amen. C'est-à-dire que tu réussiras cette année. Si 2013 c'était les combats, si 2013 c'était les blocages, si 2013 c'était les difficultés, mais cette année qui commence, je te dis au nom de Jésus, vis dans ton sang et tu vivras. Vis dans ton sang, bébé, tu dois réussir, tu dois progresser, tu dois aller de l'avant, tu dois avancer, tu dois réussir. Vis dans ton sang. Amen. Alléluia. Amen. Vis dans ton sang. Un message qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel est celui qui dit un mot et la chose arrive. Au début de l'année, Dieu te dit vie dans ton sang. Et la vie arrive en toi. Quand il dit vie dans ton sang, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Qu'est-ce qui n'existait pas? La carte de séjour, qu'est-ce qui n'existait pas? L'intelligence, qu'est-ce qui n'existait pas? La richesse, qu'est-ce qui n'existait pas? Mais Dieu te dit, vis dans ton sang, tu réussiras cette année. Amen. Alléluia. Amen. Je répète que tu réussiras cette année. Amen. Car tu viens de recevoir, au début de cette année, la parole de l'Éternel. Et il te dit, vis dans ton sang. Malgré les problèmes, tu dois vivre. Malgré les circonstances difficiles, tu dois vivre. Malgré la maladie, tu dois vivre. Et tu vivras où? Dans ton sang, dans tes difficultés, dans tes impuretés, dans tes infections. Mais Dieu te dit, vis dans ton sang. Dieu n'a pas commencé à laver ce bébé. Il a commencé à envoyer la parole. La parole de Dieu est importante, bien-aimé. La parole de Dieu change les circonstances. La parole de Dieu amène la victoire. La parole de Dieu amène la vie. C'est merveilleux d'être dans un endroit où on parle de Jésus. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ne serez plus la même personne. La parole de Dieu va apporter dans votre vie ce que vous n'avez pas avant. La parole de Dieu est capable d'apporter dans votre vie ce que vous ne pouvez pas recevoir de vous-même. La parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle de la parole, je pense à ma vie. Je pense à ma vie. J'étais comme un enfant qui ne pouvait pas vivre. Bien-aimé, déjà à l'âge de 3 ans, je connais l'histoire. J'ai commencé à souffrir à l'âge de 3 ans.
Je ne pouvais pas vivre. Il n'y avait pas de l'espoir pour moi. J'étais délaissé. J'étais abandonné. Je l'ai dit à connaissance de cause. Je sais ce que j'étais moi. À 3 ans, il y avait divorce de nos parents. 3 ans, j'avais 3 ans quand ma mère est partie. Je suis resté dans la famille. À 3 ans, notre papa a pris une autre femme. Mais cette femme m'est considérée comme sa rivale. Déjà à 3 ans, j'étais maltraité. À 3 ans, bien-aimé, j'étais très malade. Je me rappelle que j'avais des bubons, des abcès, j'avais des choses. Ah, Seigneur. On m'a amené de temps en temps chez le médecin. Il faut crever les abcès. Il faut donner des piquilles. J'ai des cicatrices jusqu'aujourd'hui, des piquilles qui m'ont fait très mal depuis l'âge de 3 ans. J'ai beaucoup souffert. Et j'ai commencé comme un maladif. J'étais maladif. Même à l'âge de, je sais, 15 ans ou 17 ans, je me rappelle plus ou plus que ça. Une fois, je suis allé dans un hôpital, sanatorium. On me dira, mais, Nakati Nayo Pola, dans ton intérieur, tu es déjà pourri. J'étais pourri. J'avais des problèmes. Rade, j'avais des problèmes dans les intestins, les blessures. J'avais des problèmes. Mais Dieu m'a dit, dans ton sang. Si aujourd'hui j'arrive à cet âge, je dis que ça c'est la grâce de Dieu. Amen. Je ne croyais pas que je pouvais arriver jusqu'à cet âge. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'ai connu un moment très difficile. Très difficile. Mais si je vis, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, vis dans ton sang. Dans ma maladie, j'ai survécu. Dans des problèmes, j'ai survécu. Quelle est la maladie que je n'ai pas connue dans mon enfance? Quelle est la maladie que je n'ai pas connue? J'ai connu des maladies bizarres, des maladies compliquées. Je n'avais jamais entendu parler de ces maladies. Mais je l'ai entendu parler quand je suis allé voir un médecin qui me posera la question, tu vis au village? Je n'avais jamais connu le village. Né et grandi à Kinshasa. Mais le médecin me pose la question de savoir si je vivais au village. Parce que les maladies que le médecin a trouvées dans mon corps ne pouvaient pas être contractées à une personne qui vit dans la capitale. Mais moi j'avais de telles maladies. Mais Dieu m'a donné sa parole. Vis dans ton sang. Et je vis. Je vais continuer à vivre. Encore longtemps et encore longtemps. Parce que j'ai la parole de Dieu. Vis dans ton sang. Alléluia. Amen. Tu dois vivre dans ton sang, mon Dieu. Ne continue pas à pleurer, mais vis dans ton sang. Accepte les circonstances. Accroche-toi à Dieu et vis dans ton sang. Amen. Comme tu as la parole de Dieu, tu sortiras. Amen. Comme tu as la parole de Dieu, tu réussiras. Amen. Comme tu as la parole de Dieu, tu iras de l'avant. Car tu as la parole de Dieu. Qui dit cette parole? Vis dans ton sang. Amen. Alléluia. Amen. Vis dans ton sang. J'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle. Le pasteur Noël, il se souvient. Nous, on a commencé à prêcher la bonne nouvelle la même année où on s'est converti. C'était une grâce, nous sommes convertis. Et dans la paroisse, il y avait une campagne. Campus pour Christ est venu former les gens, les paroissiens, pour travailler dans cette campagne. Et c'est là où nous avons appris comment prêcher, comment gagner une âme au Seigneur par les 4 lois spirituelles. On venait de se convertir. Je n'avais pas encore fait 3 mois, mais j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle. J'ai gagné les âmes pour le Seigneur. C'était pendant la période de vacances. Au mois de juillet, j'étais païen. J'ai rencontré le Seigneur au mois de juillet. À la rentrée au mois de septembre, j'étais chrétien. Pas n'importe quel chrétien, mais un prédicateur. 2 mois après, je passais devant quand le professeur n'était pas là pour prêcher mes collègues de l'école. Et je parlais de Jésus.
à notre école. Alors que je n'avais que deux mois ou trois mois de conversion. Mais je prêchais déjà la bonne nouvelle. Dieu me connaissait. Dieu avait un plan pour moi. Et le plan de Dieu ne s'arrêtera pas en 2014. Le plan de Dieu ira encore plus loin. Et je reconnais de tout mon cœur que je ne suis que le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Le fruit de la grâce de Dieu. Parce qu'un jour, j'ai reçu la parole de Dieu. Et cette parole a changé ma destinée. Cette parole a changé mon existence. Cette parole a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La parole de Dieu. Si vous vous accrochez à la parole, vous allez vivre dans votre sang. Si vous vous accrochez à la parole, vous irez de l'avant. Alléluia. Amen. J'ai déjà parlé un jour au pasteur Noël qui ne se rappelait pas de cette histoire. Un jour, on était dans le coin de Sarri, de son avenir, là où il habitait. Et le frère, le pasteur Noël nous disait, « Ah, moi je viens d'avoir la deuxième paire de chaussures. » Deuxième paire de chaussures. À ce temps-là, lui, sur ma chaussure, aujourd'hui la chaussure, wapi. Mais lui avait deux paires de chaussures. Il dit, « Quand je vais quelque part, je rentre, n'a pas moussé à mon pied, n'a tiens un carton, n'a classé. Mais alors qu'à ce temps-là, moi pour aller prêcher, ou pour aller à l'église, il faut que j'aille chercher un ami. Très tôt le matin, je frappe à la fenêtre de cet ami pour qu'il me donne la chaussure. Et si ce jour-là, l'ami n'était pas bien dormi, il ne va pas ouvrir la fenêtre et je n'irai pas à l'église. J'ai dépendu de cet ami. Le pasteur Noël, à ce temps-là, avait déjà deux paires de chaussures. Moi, je me rappelle que je prêchais avec des babouches. Je prêchais avec des babouches. Mais quelle babouche? La gomme. La gomme avec des physiques extraordinaires, ma sœur. On y était courant de notre ticane. Mais je savais que Dieu m'avait dit, vis dans ton sang. Amen. Je persévérais. Je n'avais pas peur d'aller prêcher même avec des babouches. Je n'avais pas peur d'aller prêcher même avec une chemise qui n'avait plus de couleur. J'ai fait plus de 6 mois, j'habitais chez le pasteur Noël. Plus de 6 mois. Je dépendais de lui, je mangeais chez lui. Plus de 6 mois. Donc quand les parents donner la nourriture pour lui, on mangeait ensemble. J'ai dormi avec lui parce que lui, il avait déjà son appart au pays. Et je suis allé habiter pendant 6 mois chez le pasteur Noël. Quelle vie j'ai connue! Quelle souffrance! Mais Dieu, j'avais la parole de Dieu, vis dans ton sang. Alléluia. Vis dans ton sang. Les sang symbolise la souffrance. Les sang symbolise les infections. Les sang symbolise l'impureté. Les sang symbolise toutes les mauvaises choses que vous pouvez connaître. Mais malgré cela, Dieu m'a dit, vis dans ton sang. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as la parole de Dieu ce matin. La parole de Dieu est que tu dois vivre dans ton sang. Tu réussiras. Il suffit que tu t'accroches. Même si ça ne marche pas. Même si c'est dur. Persévère. Alléluia. Alléluia. Un mot de la part de Dieu suffit. Amen. Et quand Jérusalem était là, dans ces conditions-là, les gens passaient. Dieu a donné sa parole. Quand Dieu avait donné la parole, il a laissé Jérusalem dans son état. Et il lui a dit, vis dans ton sang. Dieu n'avait encore rien fait. Dieu est parti. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu peut te voir dans la souffrance, mais il te dit, vis dans ton sang, il s'en va. Mais de loin, il te surveille. Amen. Tu es intouchable. Bien que dans le sang, mais personne ne peut t'ôter la vie. C'est ce qui s'est passé avec Jérusalem. Dieu est parti, mais Jérusalem était là, en train de souffrir. Tous passaient de côté. Et Dieu est revenu après. Alléluia.
Dieu est revenu. Et au verset 7, vous verrez ce que Dieu a fait pour Jérusalem. Qu'est-ce que le verset 7 dit? Quelqu'un peut nous dire, quand le Seigneur t'approche, tout change dans ta vie. Quand le Seigneur t'approche, rien ne résiste. La Bible dit, lève-toi l'Éternel et que tes ennemis soient dispersés. Quand le Seigneur se lève, les ennemis se dispersent. La maladie se voit, le blocage se débloque, la malédiction est changée en bénédiction quand l'Éternel se lève. Oh, Dieu s'est levé! Dieu! Il s'est levé! Il s'est levé et il est venu voir Jérusalem dans sa nudité, dans sa honte. Oh, bien-aimé, la Bible dit, Dieu a dit à Jérusalem, le temps est arrivé, le temps des amours. Alléluia! Les temps des amours. Les temps des amours. Oui, dans ma bonne époque. Les temps où Dieu voulait faire alliance avec Jérusalem. Les temps où Dieu voulait épouser Jérusalem. Ces temps étaient arrivés. Bien-aimé, accepte d'être marié aujourd'hui par Dieu. Accepte d'être marié aujourd'hui par Dieu. Parce que nous sommes une épouse. Dieu est notre mari. Alléluia. Les gens de théâtre parfois nous critiquent. Mais je ne comprends pas les gens de l'église. Tout ce qu'ils disent, n'a pas la Yesu. Alors Yesu Mosa Ranabasi combien? Il a plusieurs femmes, notre Seigneur Jésus. Tous nous sommes les femmes de Jésus. Alléluia. Même si tu es un homme, tu as un mari, mais devant Dieu, tu es une épouse. Est-ce qu'on peut dire la mère? Alléluia. Nous sommes les épouses. Pour le Seigneur. Vous savez bien aimé, Jésus est allé préparer une place. Il reviendra pour prendre son épouse. Son épouse, c'est l'église. Nous, nous sommes le membre de l'église. Nous sommes l'épouse de Jésus. Amen. Amen. Dieu a dit, le temps des amours est venu. Quelque part, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, Dieu est tombé en problème. Dieu est tombé amoureux. Il est tombé amoureux de qui? De Jérusalem. A claqué Pinza. Dieu ne pouvait plus s'en passer. De loin, Dieu regardait Jérusalem. Dieu disait, oh nous autres. Quelle beauté! Mais alors que la beauté est venue par lui-même, c'est lui qui a dit, vis dans ton sang. Et les choses ont commencé à changer. Pinza m'a reçu sa quoi lié carreau. Après il y a Maya. Il a commencé à dire quelle beauté. Il demande, il regarde la poitrine. En plus, Jérusalem n'avait pas des habits. Hein. Donc nous sommes de la courée. Alléluia. Il a dit, il faut que je fasse alliance avec cette fille. Il faut que je prenne cette fille en mariage. Dieu n'est pas venu comme les garçons qui prennent les enfants des autres sans passer par la famille. Dieu est allé officiellement. Alléluia! Dieu est allé officiellement prendre un mariage. Chère sœur en Christ, si vous avez été pris en mariage, Nanyongo revendique. Nous allons aller là, mais Nanyongo, Baba l'a été, revendique. C'est pas bien. Mes frères, tu as pris l'enfant d'autrui comme ça, sans rien faire. C'est pas bien. Même si c'était quand vous étiez païen, maintenant que tu es dans le Seigneur, arrange. Alléluia. Arrange. Dieu est allé officiellement. Dieu est tombé amoureux, mais il est allé officiellement. Il dit, je vais te prendre en mariage. Mais Dieu a commencé à faire des avances. Alléluia. Vous savez bien aimé, avec les avances de Dieu, on ne résiste pas. Vous savez, ce que Dieu a fait, non, nous sommes amoureux. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'avait encore rien dit. Il est venu avec sa robe. Nous sommes en haut avec sa robe. Il est venu là où était Jérusalem. Jérusalem, où tu vois, il n'y a pas. Jusque-là, Jérusalem n'avait pas un endroit où dormir. Et Dieu l'a trouvé toujours là, mais la beauté a changé. Dieu est venu avec sa robe. Dieu n'avait pas amené une autre robe. Hein. Seulement sa propre robe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert
la nudité de Jérusalem. Alléluia. Je te dis que cette année, Dieu va couvrir ta nudité. Cette année, Dieu va couvrir ta nudité. Tu ne seras plus dans la honte. Les gens qui, de loin, mais après, Dieu n'est là, on s'en a qui de là-bas, cette année, tant que Dieu n'est là, on a fini quand on a rompu. Il y a les gens qui te regardaient de loin, parce que ils étaient des voyeuristes. Les gens qui se plaignent à regarder la nudité des femmes. Il y a des gens qui te regardaient de loin. Mais cette année, la salle, ils ne pourront plus rien faire parce que tu es couverte. Couverte par qui? Par Dieu. Par quoi? Par la robe de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va te couvrir cette année. Amen. Dieu va changer ton histoire cette année. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris la résolution d'enlever dans ta vie la honte par la nudité que tu avais. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Pasteur Pierre, s'il vous plaît, psaume 94. Psaume 94. 5 à 7 et verset 9. Psaume 94, verset 5 et 9. 5 à 7. 5 à 7 et 9. Purifie, il te sanctifie. Tu te mets dans la présence de Dieu, mais dans la sanctification. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais si tu te salis encore, tu vas quand même fuir. Parce que dans la maison de Dieu, il faut demeurer dans la sanctification. Qu'est-ce qu'il a encore fait? J'ai fait disparaître Amen. Les sangs qui étaient sur toi. Il a fait disparaître les sangs. Donc la honte, la maladie, le blocage, le manque de papier, le manque des enfants. Il a fait disparaître tout ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout va disparaître. Toutes les mauvaises choses vont disparaître. Au nom de Jésus. Nous sommes il a fait disparaître les blocages dans tes affaires. Il a fait disparaître les blocages de notre passé. Il a fait nous ce Kobunga. Au nom de qu'est-ce qu'il a encore fait? J'ai toigné avec de l'huile. Oh là là, il a mis l'onction sur sa tête. Yes. Il a mis l'onction sur sa tête. A pas pour lier ma fouta. Alléluia. Le bandan de Moulo, il m'a fouta la yo. Cette année, j'ai besoin de ton onction. Cette année, j'ai besoin de ton onction. Cette année, j'ai besoin de ton huile. Cette huile ne manque pas sur ma terre. Il a versé l'huile sur Jérusalem. Ce n'était pas tout. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je te donnerai des vêtements brodés et une chaussure de beau teinte en Amen. Bleu. Alléluia. Je te saigné de fin lin. Ici, il commence à habiller sa femme. Des vêtements compliqués. Des chaussures compliquées. Alléluia. Amen. Des vêtements corps. Compliqués. Des chaussures corps. Compliquées. Des chaussures que Jérusalem n'avait jamais connues. Amen. Et Dieu lui donne ces chaussures. Amen. Des vêtements que Jérusalem n'avait. Parce que, hein, ce n'était que la nudité. Mais Dieu lui donne des vêtements brodés. Oh, des vêtements brodés qui font que quand tu passes, tout le monde te regarde. Alléluia. Tous les gens vont te regarder. Ils vont se poser des questions. C'est depuis quand tu es comme ça? Parce que je suis parti avec Dieu. Cette année, tu partiras avec Dieu. Dieu te donnera des vêtements brodés. Dieu te donnera des chaussures compliquées. Parce que tu habites avec lui. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Nous devons attendre pour vous encourager. Nous devons attendre pour vous encourager. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je t'ai paré d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains. Aïe, aïe, aïe. Un collier à ton cou. Là, ce sont des bijoux. Un anneau à ton nez.
des bijoux pendant à tes oreilles, somme, et une couronne magnifique sur ta tête, danger. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, oh, de soie et de toffe, brodé, oh, la fleur de farine. Le miel et l'huile furent ta nourriture. Miel, tu miel, étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Alléluia. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, et le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Pour la parole. A changé vinaillé. Ici, il commence à donner des bijoux, bracelets en or, chaînettes en or, même pas. Même dans les nez, Dieu a mis de l'or. Sur la tête, Dieu a mis de l'or. Dieu a fait que cette femme devienne une autre femme. Et quand Jérusalem a commencé à marcher, les gens ont oublié. C'est la fille qu'on voyait toute nuit. Alléluia. Amen. Les gens vont oublier que c'était toi qui as souffert. Amen. Ils vont oublier cela. Dieu veut te faire oublier la souffrance. Tu ne seras plus dans la souffrance. Amen. Les gens vont oublier ton histoire. Ça ne restera qu'une histoire. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait que Jérusalem soit d'une beauté remarquable. Et tout le genre, regardez. Bien-aimé, maman, ça va pour ça. Mantanga a posa. Et il mantanga. Mantanga va venir sur la zone. Alors, il y a un nom pour la victoire. La team va venir vous faire une dame. Oui, non, non. Mantanga, ça va venir. Mais portez à Jérusalem, mantanga a posa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les clairs les matins. Et quand Jérusalem marchait, tous les gens voulaient regarder Jérusalem. Et la Bible dit même que la renommée de Jérusalem s'est répandue partout. Amen. Tous les gens ont entendu parler de Jérusalem. Bien-aimé, je prophétise comme serviteur de Dieu. 2014, les gens entendront parler de toi. 2014, les gens te chercheront. Amen. 2014, les gens te regarderont. Amen. Tu témoigneras la gloire de Dieu. À cause des choses extraordinaires que Dieu va apporter dans ta vie. Alléluia. Amen. Cette histoire, la conclusion, c'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue que Dieu, l'enfant prodigue qui avait pris sa richesse, il est parti, il a tout dépensé, mais après, il est revenu. Il est revenu chez son père. Vous savez, bien aimé, quand l'enfant prodigue confessait ses péchés, le père n'avait même pas envie d'écouter ce que son fils disait. La joie de ce papa était que mon fils était comme mort et il est revenu. Il était dans la joie de revoir son fils. Alléluia. Amen. 2014, nous devons rentrer auprès de Dieu. Si tu étais parti, si tu étais parti, reviens à l'Éternel. Et Dieu change pas ta situation. Et l'Éternel lui dit sa parole au nom de Jésus. Thank you.
resté assis. J'ai resté assis pendant très longtemps. Et par l'amour de Dieu, je vais te demander de te lever, s'il te plaît. J'ai resté assis très longtemps. Maintenant que tu es debout, frère Rudy, frère Jean-Pierre, Brandon, lève-toi. Rudy, lève-toi. Maintenant que tu es debout, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie pendant l'année 2013. Tu vas lui dire merci. C'était une année dure, c'était une année difficile, mais Dieu a dit, vis dans ton sang. Tu es arrivé jusqu'à la fin de l'année. Par la grâce de Dieu, malgré les combats, la maladie, malgré la souffrance, le blocage, mais tu es arrivé à la fin. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Merci. Élève bien ta voix, commence à dire merci à Dieu. Malgré les vents, malgré les épreuves, Seigneur, tu as fait que Seigneur, je puisse. C'est lui qui t'a gardé. Dans cette année 2020, c'est lui qui t'a gardé. Merci, Père éternel. Depuis que j'ai commencé, Seigneur, en 2013, Seigneur, le 1er janvier, et je suis aujourd'hui, Seigneur, dans cette année, Seigneur, 2014, Père éternel, merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, merci. Tout ce que tu as fait, Seigneur, merci. Peut-être que les gens ont pris ta foi sauvée. Les gens ont cherché ta mort, mais Dieu t'a protégé. C'est la grâce de Dieu qui a fait que, qui a pris à la fin de cette année. Bénis encore bien ton Dieu, alléluia. Dieu t'a fait, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Je vais entendre des gens qui prient l'air. Dis qui a planté l'oreille, il entend la prière. Dis qui a créé le feu. Dieu nous a manifesté, Seigneur. Ce que vous allez, Seigneur. Dans ta vie, dis-le merci. Merci, mon Dieu. Je suis vivant. Merci, mon Dieu. Tu m'as gardé. Merci, mon Dieu. Tu m'as protégé. Merci, Père de gloire. Tu as fait le bonheur. Merci. Merci. Je veux que le Dieu nous aide à chanter une chanson de reconnaissance, d'adoration. Et après, nous allons prier pour l'année qui vient de commencer. Pour cette année nouvelle. Chantons d'abord et nous allons prier pour cette année nouvelle. Voilà Dieu. Merci. D'un cœur et connaissance, merci, au Seigneur, toi, foi seul, merci. Peut-être que vous n'avez pas de toute l'année plutôt. Mais ça, c'est une année nouvelle. Montre ta reconnaissance à des chants de bien-aimé. Merci. Changer. Encore ça va changer. Ah non. Cette année, nous serons changés. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme. Mais c'est de celui qui peut changer un homme. J'ai dit, c'est la parole de celui qui peut changer un homme. Je le crois. Et je crois qu'il y aura des choses. Parce que c'est une nouvelle année. Chaque année, il y a de nouvelles choses. Chaque année, il y a de nouvelles dimensions. Chaque année, il y a de nouvelles gloires. Chaque année.
Amour de Dieu, papa, tu fais ce mauvais à chaque année. Nous avons la vie de Noël, papa, tu fais ça chaque année. Amen. Du milieu de son trône, tous genoux fléchissent, toutes langues confessent Jésus-Christ.